Une boucherie à l'est de la ville d'Austin. Une ferme d'élevage de bisons à 2 heures de là. Pendant des années, Ben Runkle ne mangeait plus de viande. Il a aujourd'hui les mains dedans, dans sa boucherie. Tyler Collins avait un régime sans aucun produit animal. Il élève désormais des bisons pour leur viande. Comment ces Américains en sont arrivés là? Ben Runkle a ouvert sa boucherie il y a 5 ans. Ce matin, il découpe des steaks de bœuf. Ça ne vous dégoûte plus? Non, pas du tout. C'est un geste primitif, mais c'est beau. Et c'est en fait un geste naturel. Pourtant, pendant 10 ans, Ben Runkle a été vegan. Il ne mangeait ni viande, ni aucun produit issu des animaux. Une décision prise quand il avait 18 ans. Je lisais beaucoup de choses sur l'industrie de la viande et l'élevage. Et j'étais entouré de gens comme moi qui rejetaient cela et avaient décidé de réagir en devenant végétarien ou vegan. Donc pour moi, c'était logique de faire la même chose. C'est donc au rayon vegan de supermarché que Ben Runkle faisait ses courses. Il mangeait du soja et de la fausse viande à base de plantes. Il y avait même un bout de bois au milieu pour faire comme si c'était un os. Et je me vois encore en train de mâchouiller ça. C'est en regardant la provenance de ces produits qu'il a tout arrêté. Le soja a été produit aux États-Unis, envoyé à Taïwan en Asie pour être transformé en fausse viande, en faux poulet, qui revenait ensuite aux États-Unis. Alors que moi, je faisais tout ça pour protéger l'environnement. Ben Runkle devient alors boucher pour ne manger, ne vendre que de la viande biologique produite localement. Ce jour-là, il nous emmène au ranch où il se fournit à la rencontre d'un autre ancien vegan devenu éleveur de bisons. Tyler Collins a longtemps tenu un magasin vegan. Soja, amandes, avocats, mais cultivé de façon industrielle. Il abandonne finalement pour cette raison le véganisme. Le problème, ce ne sont pas seulement les animaux, c'est aussi ce qui est à base de plantes dans la nourriture végane avec la monoculture, l'industrialisation, c'est terrible. Moi, je dis, en tant que végane, ça vous va de savoir que ce que vous achetez a poussé en abîmant les sols? Les bisons de Tyler Collins vivent en liberté. Le bien-être des animaux n'était pas sa priorité en tant que végane. Il est à l'aise avec le fait de les abattre. C'est émouvant et il y a des pleurs à chaque fois, mais on respecte cette relation ancestrale entre les animaux et les humains qui sont leurs prédateurs. Des animaux en bonne santé, aucun pesticide. Pour ces anciens véganes, la protection de la planète passe avant tout par une nouvelle agriculture. Vous ne sauverez pas la planète en mangeant de la viande, mais vous pouvez sauver la planète en mangeant de la viande qui a été produite de façon respectueuse et durable. Aux États-Unis, le nombre de végétariens et de véganes est stable depuis 20 ans. Le mouvement auquel appartiennent Tyler Collins et Ben Runkle porte un nom, les bouchers éthiques. Il est encore marginal, mais il veut changer le système de l'intérieur et cela a un prix. Leur viande est 3 fois plus chère que la viande industrielle.